Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite question. Allez, on mélange. Ah, il y en a qui est tombé, je le remets dedans. On mélange, on mélange. Et voilà notre petite question. Alors, ouf. Comment mélanges-tu tes cartes? Si tu fais un tirage pour quelqu'un, lui laisses-tu mélanger lui-même les cartes? Alors, comment je mélange mes cartes? Ben, mes cartes, je les mélange en gros de deux manières. Alors, ça va dépendre. Je vais prendre par exemple ce jeu-là. Donc, si c'est des grands, si c'est des petites cartes comme un petit Lenormand, alors je vais vous montrer par exemple. Voilà. Si c'est des cartes comme un petit Lenormand, comme les cartes du Tanis de Célia, que tout le monde connaît, voilà. Donc, ça, c'est des petites cartes. Donc, ça, je les mélange classiques. Hein, je veux dire, je les mélange comme tout le monde. On mélange un jeu, voilà. Donc, je les mélange classiques. Par contre, si c'est un jeu, voilà, comme l'oracle coup de cœur, les cartes sont assez grandes. C'est vrai que comme ça, bon, je peux le faire, mais c'est pas pratique. Des fois, même les tarots, c'est pas pratique. Donc à ce moment-là, je les mélange dans le sens de la longueur. Voilà, comme ça. Donc c'est à peu près le même que le tanisme, mais qu'à part c'est dans l'autre sens. Voilà. Et puis, il m'arrive quelquefois, pour les tarots par exemple, j'aime bien mélanger un peu, vous savez, le style poker. Bon, là, je ne peux pas vous montrer parce que la caméra n'est pas bien mise comme il faudrait. Mais voilà, mélanger en style poker, c'est que j'ai deux tas dans chaque main et je les mélange ensemble comme ça. Ça se chevauche, les cartes se chevauchent comme ça. Voilà, c'est vraiment les deux seules façons que j'utilise pour mélanger les cartes. Il y en a quelquefois qui, pour les oracles, vous savez, mettre sur la table et les mélange comme ça, les cartes. Moi, j'aime pas trop. Voilà, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est plutôt le style classique ou bien le poker si les cartes s'y prêtent, parce que faut quand même que les cartes soient flexibles pour pouvoir le faire. Voilà. Donc voilà, j'ai répondu à votre petite question. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye!